Bonjour à tous, très très bienvenue dans ce tuto. Alors, on reste un petit peu dans les riffs, on est beaucoup moins heavy metal que ces temps-ci. On n'est pas du tout heavy metal même, on est vraiment rock'n'roll. Allez, on va appeler ça du hard rock, avec donc AC/DC. Donc là, un titre de la très très grande époque de Bon Scott. Donc titre peut-être moins connu, enfin, certainement beaucoup moins connu que Highway to Hell, qui figure donc en deuxième piste de l'album, donc Highway to Hell. Donc on est en 79 à l'époque de Bon Scott, donc le premier chanteur d'AC/DC, malheureusement disparu, bon ça tout le monde connaît la légende, donc Bon Scott qui allait disparaître environ 6 mois après donc, la parution de cet album, paru je crois en juillet 79. Voilà, alors aujourd'hui un riff mais ultra efficace, encore un incontournable Girls Got Rhythm. Donc on est sur, là aussi je vous dis, des riffs mais fatales, quelque chose d'assez simple comme ça de conception. Mais on a des toutes petites différences dans les deux guitares. Donc là, on va voir dans ce tuto les deux parties guitares qui sont vraiment complémentaires. Voilà, on va dire qu'il y a un riff aigu et le même riff, le presque même riff, doublé dans les graves. Voilà, typiquement le genre de recette qui tue dans AC/DC. Voilà, alors c'est pas les seuls à faire ça, hein, à composer des guitares complémentaires, mais là, c'est vrai que c'est vraiment génial. Voilà. Alors ce titre pourrait s'apparenter presque à un... Vous savez, bon, c'est un riff de rock'n'roll, mais... Pour moi, il y a un truc soul un peu là-dedans, il y a un truc en tout cas blues, un peu blues soul comme ça, très entêtant. Il y a un énorme groove là-dedans qui donne super envie de bouger et qui, voilà, qui tourne presque à la transe quand on l'écoute. Vraiment, c'est impossible à écouter sans bouger la tête, moi je trouve. Voilà, alors si vous êtes prêts, on est parti pour ce riff d'anthologie avec Girls Got Rhythm. On va commencer par le riff d'intro et par la guitare 1. Donc sur la tablature, c'est la guitare de Angus Young. Alors, il va utiliser deux power chords réduit à deux cordes, on a déjà vu ce type d'accord, vous savez, quand on joue plus que en fait, la quinte inversée. Donc là, c'est un Ré 5 basse La que l'on va poser comme ça en 7 et 7e case des cordes Ré et Sol. Ok ? Premier accord, donc Ré 5 basse La, qui passera ensuite en Do 5 basse Sol, un ton en dessous, donc en 5e case sur les mêmes cordes. Ok ? Alors ce sera vraiment nos deux accords du riff. Alors je vous parlerai d'une toute petite subtilité, en fait la seule subtilité qu'on a sur cette guitare, de différence entre le riff d'intro ou de couplet, qui est le même, et le riff de refrain. Voilà, en fait on verra que c'est la longueur du premier accord qui varie un tout petit peu. Bon, ok. Alors le riff commence par le Ré 5 basse La sur le 1, ok, il va être joué, mais donc il va être joué de façon très courte, il va avoir une valeur de croche, il va faire 1, et ensuite on va attendre le Et du 2 pour poser donc le Do 5. Ok, donc ça nous fait 1, 2, et 3, 4. Alors ici, j'utilise plutôt des croches en allée. Hein, donc c'est pas mal de réussir à faire les contretemps quand même vers le bas. 1, 2, et 3, 4. Ok ? Alors on peut déjà remarquer que la longueur du premier accord du Ré est une longueur de croche, alors que le deuxième accord, le Do, lui, a une longueur de noir pointé. Donc il vaut 3 croches en termes de durée. 1, 2, et 3, 4. Donc le riff commencera toujours comme ça, par ces deux appuis, donc 1 puis le Et du 2. Et ensuite, on a une petite réponse qui arrive dans la deuxième mesure, mais qui arrive en fait exactement, qui commence sur le Et du 4 de la première mesure. Sur ce Et du 4 de première mesure, on va jouer la note Mi, qui va en fait glisser. Alors on est en Mi 7e case de l'accord de La, et on va organiser donc un slide pour rejoindre le Fa dièse 9e case. Okay, donc ça c'était mon Et du 4, 4 et 1. Donc le Fa dièse arrive bien en premier temps de la deuxième mesure.
Ok? Alors la réponse de la deuxième mesure va donner ça. Ok, alors il y a eu 4 et 1, ça on l'a dit. Puis ensuite, et 2 et. Alors, et 2, c'était l'octave du La, donc la septième case de l'accord de Ré. Ok, et 2. Et sur le et du 2, je joue la corde de La à vide, qui en fait permet de réussir super bien le lien. Et 2 et 3. Hein, là, sur le troisième temps, on va rejouer le Do 5. Voilà. Donc pour l'instant, on en est là. 3, 4 et 1, 2 et 3. 4 et 1 et 2 et. Donc pareil, en ajoutant le Do 5 sur le troisième temps. 3, 4 et 1, 2 et 3. 4 et 1 et 2 et 3. Il ne reste plus que le quatrième temps. Alors sur le 4, on a à nouveau l'octave de la corde là, donc 7 cordes de Ré. Ça, c'est le 4. Et il y a un petit et du 4, à nouveau en corde de la à vide. Voilà, donc vraiment, on se termine en 4 et. Ok? Alors, les deux mesures donnent ça. 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, et 2 et 3, 4 et 1. Ok? 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, et 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, et 2 et 3. Là, on a déjà la première guitare. 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Alors, tant qu'on est sur cette guitare, je vous donne tout de suite la différence avec le riff de refrain, mais aussi, vous savez, en deuxième moitié d'intro, quand la batterie est vraiment rentrée, parce qu'au début, il n'y a que de la grosse caisse dans la batterie, et une fois que vraiment le beat de batterie rentre, donc, toum, ta, toum, ta, ici, donc, on est déjà en fait sur le riff de refrain. Alors je vous parlais d'une petite différence un peu subtile, mais en fait elle a vraiment son importance. Donc quand on veut ouvrir le son, donc pour le refrain, en fait le premier accord donc dure une noire pointée. Donc là au lieu de faire 1, 2, et, il faudra faire 1, 2, et, 4, et, 1, 2, et, 4, et, 1, 2, et, 3, 4, et, 1, 2, et, 3. La différence, donc. Voilà. C'est vraiment ce truc-là qui fait tout le contraste en fait entre le refrain et le couplet qui ont finalement le même riff. Alors, on va regarder maintenant ce riff, ce main riff, hein, le riff principal, en mode guitare 2. Sur la partition, c'est la deuxième ligne, hein, la ligne de Malcolm Young. Alors, il va pas le jouer exactement note à note. Hein. On croit beaucoup que c'est strictement la même chose doublé à l'octave du bas. Pas tout à fait. Ce qui occasionne d'ailleurs beaucoup d'erreurs hein, sur les tablatures qu'on peut trouver. Donc vraiment, là aussi, il faut tout revérifier de près. Et donc, la guitare 2 donne ça. Alors déjà, elle joue des power chords, des vrais power chords, on va dire, à trois notes. C'est-à-dire le Ré 5 a une tête habituelle, hein, en cinquième case corde de La, 7 et 7, corde de Ré Sol. Et le Do 5 va être pareil, un ton plus bas. Donc 3 pour la corde de La, 5 et 5 pour les cordes Ré et Sol. Alors là, on va retrouver aussi nos empreintes avec exactement les mêmes histoires de durée. Court à l'intro et au couplet, et long au refrain, en ce qui concerne le premier accord. Et donc là, on aura à nouveau le Ré 5 sur un premier temps, et le Do 5 sur un et du 2. Donc 1, 2, et 3, 4. Ok ? Donc la réponse de la deuxième mesure part également du et du 4 de la première mesure, et commence par un mi à vide. Alors je vous donne tout de suite la réponse de la guitare 2, elle va faire 1, 2, et 3, 4, et 1, et 2, et 3, 4. Encore 2, et 3. 4 et 1 et 2 et 3, 4. Donc la réponse de cette guitare 2 en deuxième mesure donne d'abord le mi à vide sur le et du 4. 4 et 1. On rejoint le premier temps avec un fa dièse ici. Et juste après, donc, et 1 et. Le et du 1 va jouer un la 5. Ok ? Et 1 et. Voilà, donc il n'y aura pas de deuxième temps. Par contre, il y aura le et du 2 joué sur la corde de la à vide. Puis le troisième temps sur la note Do, donc troisième case corde de La, et le quatrième temps, donc pareil, une noire sur la note La corde de La à vide. Ok ? Donc toute la réponse donne ça. À partir du et du 4, 3, 4, et 1, et 2, et 3, 4. Ok ? Encore. 3, 4, et 1, et 2, et 3, 4.
Alors sur cette note Do, on peut la faire vivre un tout petit peu. C'est une note longue, on peut très bien la tirer un petit peu. Ou la faire vibrer un petit peu. Ok, on va regarder les deux mesures enchaînées de cette guitare 2. Donc attention, 3, 4 et Ré, Do. Si vous voulez, pour résumer, on se fait les deux riffs, donc guitare 1 d'abord, guitare 2 au tempo original. C'est parti en mode guitare 1, attention, tempo original, 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 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 3, 4 et 1. Ok, guitare 2, 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3. Alors l'intro évolue sur ce riff, hein, vous allez voir, qui se construit assez vite. Il est joué en fait deux fois avec l'accord court au début, puis ensuite deux fois avec l'accord long, et ensuite on rentre dans un couplet. Alors couplet donc, c'est ce riff principal qui est joué huit fois de suite. Donc là on a vraiment bien le temps de rentrer dedans. Alors à cet endroit-là arrive le pré-refrain qui est lui aussi d'une efficacité encore. Alors pré-refrain qui va jouer en première guitare sur le premier temps du pré-refrain. Il va poser un Ré 5. Voilà, trois sons. Puis sur le et du 2, il va passer en Ré sus 4. Alors sus 4, ce serait le barré comme ça d'un Ré majeur, mais en ajoutant la huitième case sur la corde de Si. Okay. Donc ça sur le et du 2. Donc ça nous fait 1, 2, 1, 3, 4. Et là, on va ajouter à chaque fois la même réponse que dans le riff principal, c'est-à-dire qui provient du et du 4. Donc on a 1, 2, 1, 3, 4 et 1, 2, 1, 3. Voilà, donc vous avez vu, ça se fait trois fois avant de changer d'accord. Et là, on va rejoindre l'accord Si, donc B5, hein, power chord, vous connaissez peut-être. Deuxième case, corde de La, 4 et 4, corde de Ré et Sol. Voilà, alors là, il va terminer en guitare 1 en faisant ce motif. Alors là, il joue d'abord deux cordes sur le premier temps. Et en fait, il attend le et du 1 pour jouer l'octave, donc la troisième corde, la corde de Sol. Donc il va faire ça. Un et, ok. Un et, il va le refaire. Un et, deux et trois. Il restera à ajouter le 4 et, qui lui joue 4 sur le 6-5. 4 et le et du 4 sur un mi-5, mi-power. Donc cette mesure de Si donne ça. Un et, deux et trois, 4 et. On termine avec cette dernière mesure du pré-refrain qui reste en mi. On reste en mi grave ici. D'abord le et du 1, puis et 3 et, puis le et du 4. Donc, et 3 et. Alors voyons l'enchaînement de ces deux mesures de sortie de pré-refrain. Attention, on commence en si, 3, 4, 1 et 3, 4 et 3 et. À la vitesse normale, on aurait ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 3, 4. Regardons maintenant la deuxième guitare du pré-refrain, qui est un petit peu plus simple. Donc le pré-refrain commence bien par l'accord Ré 5, mais cette fois-ci va être joué ici pour cette guitare 2. Donc vraiment, toujours sur le premier temps ici. Alors vous connaissez Ré 5 avec la corde de Ré à vide, la deuxième case de la corde de Sol et la troisième case de la corde de Si. On peut des fois lui associer une corde de La. Pour renforcer. Alors là, donc, ce sera le seul accord de cette mesure de Ré. C'est-à-dire qu'en fait, là, il ne va pas passer en sus 4. Il aurait pu le faire. Hein, il y avait la note ici. Mais non, en effet, et c'est peut-être ça qui fait toute la force du passage, on a ce mélange d'accords où il y en a un qui passe en sus 4 et l'autre non. Donc là, il va jouer aussi bien sur le premier temps que sur le et du 2, l'accord Ré 5. Donc 1, 2, et 3. Là, il va récupérer la réponse habituelle de son riff principal en mode guitare 2. Hein, donc. Voilà. Et donc, l'enchaînement des deux donne ça. 3, 4 et 1, 2 et 3. 4 et 1, 2 et 3. 4, 1, 2 et 3. 4 et 1, 2 et 3. 4. Troisième et dernier.
Donc là aussi, il va passer en si et de façon un peu plus simple. Donc là, il va jouer le B5 en mode vraiment plaqué, d'abord sur un et, puis ensuite sur le troisième temps. Donc 1 et, 2 et, 3, 4 et. Et on passera, donc vous avez vu, en mi grave, en mi power, sur le et du 4. Donc cette première mesure de sortie en si donne ça 3, 4, 1 et, 3, 4 et. Ok ? Dans la deuxième mesure de sortie de pré-refrain, donc la mesure de mi, il va ajouter en fait seulement le deuxième temps et le troisième temps qui durera lui deux temps. Donc vraiment on aura 2, 3, 4. Ok ? Alors l'enchaînement des deux mesures de sortie de pré-refrain guitare 2 donne ça. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ok ? Encore. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alors on va se tenter une fois l'enchaînement guitare 1 des parties couplet, pré-refrain, refrain. Ok ? Je vais faire que 4 couplets quand même pour pas que ça prenne trop longtemps. Attention, guitare 1, mode couplet, vitesse originale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va au pré-refrain. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Troisième et dernier. En si, 2, 3 et 4, accord long, ça c'est bien le refrain, ok, alors on va essayer la même chose, le même enchaînement en mode guitare 2, attention c'est parti, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3e, on sort en si, ok, alors c'est déjà la fin de ce tuto, je vous souhaite à tous une super bonne éclate rythmique. C'est vrai que là, on est vraiment dans le temple du riff avec ce groupe ACDC. On n'a pas encore goûté aux autres plaisirs du groupe ACDC, sachant qu'ils ont un soliste magique. Donc voilà, on ira voir quelques solos, un de ces quatre, de Angus Young. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit like. Abonnez-vous nombreux à ma chaîne FoodJprod. Je vous dis à très bientôt. We'll be right back.
Just like a liquid love.